Jésus me demande d'être un rayon de soleil qui gaiement fasse connaître son amour sans pareil, un rayon de joie, un doux rayon de soleil. Que le Seigneur soit réellement béni. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 89. Psaume chapitre 89, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 89. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne, tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent en ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre droit. Amen. Israël, mets ton espoir en l'Éternel pour tout. Israël, en l'Éternel. Jésus béni, Jésus béni pour toujours. Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni.
soit célébré encore ce soir, notre Dieu. Qu'il soit béni, qu'il soit exalté, mon Seigneur. C'est notre réconfort et notre consolation de savoir que réellement, Seigneur, tu nous as fait ces dons de grâce. Nous sommes un peuple béni et nous marchons avec assurance. Hier, nous tâtonnions un peu, mon bien-aimé Père Saint. Mais aujourd'hui, nos pieds sont raffermis, Seigneur. Nous avons la certitude et l'assurance de marcher vraiment, oh Dieu, avec ces dieux puissants, mon Sauveur. Oh Dieu, comme nous l'avons entendu encore ce soir, tu es ma merveilleux, mon bien-aimé Père Tibissant. Et nous te remercions parce que réellement, tu nous prodigues tout le soin nécessaire. Et tu as permis que ce soir encore, nous puissions être là. Oh Dieu du ciel, sois vraiment glorifié pour les cantiques qui ont été chantées par inspiration, mon bien-aimé Père Dieu. Nous sommes vraiment consolés encore davantage, mon roi, de savoir réellement que ton Esprit Saint agit encore. Et aujourd'hui encore, parce que tu es présent. Tu avais fait la promesse, mon bien-aimé Père Saint, que nous ne serons pas orphelins, Seigneur. Mais toi, tu viendrais, tu nous consoleras, tu nous conduiras encore davantage et dans la vérité aussi, mon bien-aimé Seigneur. Nous vivons ces choses, mon bien-aimé Père Saint et Dieu. Nous sommes aussi des témoins de ce que ta parole est vraiment aussi la vérité, Père. Oh Dieu, ce soir, nous voulons te dire encore merci pour chaque frère et chaque soeur que tu as aussi guéri, que tu as aussi fortifié. Oh Dieu, soutenu aussi, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu, pour nos enfants que tu as donné encore la force et la santé. Nous te sommes vraiment reconnaissants, Père. Tu es notre bien, Seigneur Dieu. Tu es notre soutien, notre appui, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu. Merci encore pour ce que tu as fait ce que tu fais et nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion à différents endroits. Seigneur, nous aimons tant le revoir encore un jour parce que tu es le Dieu qui permet les occasions, mon Sauveur. Nous sommes heureux quand nous pouvons savoir qu'un jour tu permettras et tu permets. Seigneur, sois béni pour cela, Père. Merci pour les cantiques, merci encore pour les psaumes. Nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai, notre Seigneur Jésus-Christ parle. Et non seulement il parle, mais il accomplit aussi sa parole. Nous pouvons dire avec, Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Nous pouvons dire avec certitude que nous sommes aussi des témoins des choses que nous avons entendues parler. Nous en avons eu aussi la grâce de pouvoir aussi le voir aussi s'accomplir. Parce que si nous ne voyons pas, effectivement, alors nous avons un petit problème, effectivement, avec la vue, parce que le Seigneur est venu pour que nous puissions avoir la vue correcte, afin de pouvoir voir les choses de la bonne manière. C'est quand nous voyons effectivement l'action de notre Dieu et sa manière de pouvoir faire les choses, c'est à ce moment-là que notre foi aussi est fortifiée. Et puisque nous pouvons réellement voir que ce qu'il déclare, ce qu'il a dit, il veille sur cela et il l'accomplit. Parce que s'il était un Dieu qui ne faisait que parler et que rien ne s'est passé, alors comment pourrions-nous avoir confiance en lui? Alors il témoigne qu'effectivement il ne parle pas seulement, mais il veille sur sa parole et il l'accomplit aussi. C'est la raison pour laquelle que nous aussi, nous voulons lui être aussi fidèles, parce que nous savons que quand il nous dit quelque chose, il reste réellement fidèle à sa parole. Nous ne perdons pas notre temps pour chaque rassemblement que nous avons. C'est que Dieu, notre Seigneur, à chaque fois que nous retrouvons le désir de notre cœur, la volonté qu'il y a au-dedans de nous pour que nous puissions agir effectivement et faire ce que Dieu, notre Seigneur, attend de nous, c'est cela aussi la récompense qui nous attend de l'autre côté. Parce que nous avons toujours eu à pouvoir le dire, même dans la prière, parce que c'est lui qui nous a appris cela. Quand nous prions, nous ne devons pas multiplier de vaines paroles, effectivement. Mais nous disons, notre Père qui est donc aux cieux, que ton nom soit comment? Sanctifié. Ah, que ton règne vienne et que ta volonté soit sur la terre comme donc au ciel. C'est cela que nous désirons, que le Seigneur, notre Dieu, prenne plaisir à ce que nous puissions aussi prendre plaisir. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé avec Ézéchias, je pense que c'était Ézéchias. C'était quand même extraordinaire. Vous savez comment Ézéchias était, comment il se donnait aussi au Seigneur. Mais il tomba malade et qu'il devait donc mourir. Vous connaissez cela. Je pense que dans Ésaïe, quelque part, comme c'est sûr, je voudrais juste trouver l'écriture. Et alors là, que pendant qu'il était donc malade et qu'on est venu, donc le Seigneur a dit à Ésaïe le prophète d'aller le voir pour pouvoir lui annoncer effectivement qu'il allait donc s'en aller.
Et nous nous souvenons que dans les Écritures, on nous a fait part que cet homme s'est mis à genoux, il a commencé à pleurer et à implorer la grâce du Seigneur, effectivement, de tout son cœur. Et il pria, et c'est merveilleux de voir que et la Bible dit qu'il a répandu d'abondantes larmes, effectivement. Et cela, je pense que c'est dans... c'est cela aussi, je crois que c'est cela aussi. D'accord. C'est Isaïe 38, je pense que c'est cela. Il dit cela. Okay. Alors, il dit ici. Voilà, c'est ça. Voilà. Isaïe 38, et nous disons juste au verset ici. Voilà, c'est bon. Verset, vous connaissez quand même à partir du verset 1, vous savez, non? Lorsque Esaïe est allé lui parler et la Bible dit qu'il a commencé à prier. Ben, lisons quand même, hein? Lisons quand même un peu rapidement. Il dit, alors lorsque Esaïe lui parla, effectivement, qu'il devait donner des ordres à sa maison, pour, ça c'est le verset 1, il dit, ainsi parle donc l'Éternel, donne donc tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna donc son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Et il dit, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. C'est toujours ce que Dieu attend de nous. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit donc d'abondantes larmes en implorant la grâce du Seigneur, le secours du Seigneur, notre Dieu. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. C'est que le Seigneur entend. Hein? Lorsque nous prions sincèrement, pas par habitude, mais très sincèrement. C'est pour ça que j'ai dit que ne pensez pas que le fait que vous veniez ici, même si les autres ne viennent pas, mais le fait que toi, nous allons le voir, le fait que toi, tu viens sincèrement, tu accomplis ce que Dieu, notre Seigneur, veut que tu puisses faire, effectivement, alors le Seigneur voit cela. Et quand tu pries, quand même tu répands des larmes, effectivement, même si personne ne le voit, Dieu voit cela. Alors il dit, je vis donc tes larmes, effectivement, et c'est cela, donc, je vis tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années encore, et je te délivrerai. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière le soleil, avec le soleil, l'ombre des degrés qui est donc descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était donc descendu. Cantique maintenant d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Il dit, je disais, quand mes jours sont en repos, je dois donc m'en aller. Donc lorsqu'il était malade, vous entendez, non? Et puis, quand Dieu a dit, mais au port, je m'en allais donc aux portes du séjour de mort. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Il dit, du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin comme un lion. Il brisait tous mes os, du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis donc dans l'épouvante, secours-moi. C'était donc sa prière. Amen. Que dirais-je? Il m'a répondu. Et il m'a exaucé. Il dit, je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Il a vu la grâce de Dieu, effectivement, que le Seigneur lui a répondu. Le Seigneur n'est pas sourd à nos prières. C'est nous, en fait, qui pensons que Dieu ne nous entend pas. Et quand nous ne croyons pas que Dieu nous entend, effectivement, parce que puisque nous ne voulons pas, en nous disant qu'il ne nous entend pas, c'est que nous voulons qu'il ne nous entende pas. Mais c'est notre foi, nous devons croire que quand nous prions, Dieu entend. Alors maintenant, écoutez bien. Il dit, si, mais, que dirais-je donc, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Après avoir été ainsi affligé, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Amen. Tu me rétablis
tu me rends à la vie. Voici, écoutez bien, c'est très important ça. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Et puis il dit, tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Et puis il dit, verset 18, il dit, mais ce n'est pas le séjour de mort qui te loue. Il faut savoir parler à Dieu, mon frère. Savoir lui faire comprendre le Seigneur, ce n'est que c'est par ma bouche que tu veux que tu sois loué. Et si je m'en vais, quand c'est aujourd'hui, vous connaissez, non? Il dit, mais ce n'est pas le séjour de mort qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. C'est merveilleux, hein? Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Les vivants, c'est celui-là qui te loue, amen, comme moi aujourd'hui. Amen. Il dit, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Amen. Maintenant, écoutez très bien. Cet homme qui, de tout son cœur, a vu ce que Dieu a eu à pouvoir faire pour lui, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, l'Éternel m'a sauvé. Qu'est-ce que je dois faire? Nous ferons résonner le corps de nos instruments. Combien de fois? Alléluia, alléluia. Est-ce que vous comprenez, frère? Il dit, nous ferons donner le corps de notre instrument tous les jours de notre vie. Où c'est? Alléluia. Voilà, mon frère et ma soeur, pourquoi nous nous retrouvons ensemble. Parce que nous savons que c'est important pour nous. Dieu a fait tellement de grandes choses pour nous. Mon frère et ma soeur, on ne peut pas rester insensible. Le fait que nous soyons debout aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Alors, comment ne pas venir dans sa maison pour lui dire merci de tout mon cœur? Même si je me dis, mais il y a toujours un remerciement qui doit monter dans mon cœur, parce que dans cette journée, il a quand même fait. Cet homme dit, il dit, mais nous ferons résonner les cordes de nos instruments. Donc, je ne vais pas rester inerte dans sa maison comme ça pour que l'autre puisse chanter, moi je ne fasse rien. Non, moi je viens pour lui dire merci. Donc je chanterai, je crierai. Oui, monsieur. C'est la Bible qui le dit, frère. Voilà un homme qui est reconnaissant à Dieu. Pour ce que Dieu... Frère et soeur, chaque instant, chaque jour, jusqu'aujourd'hui, c'est sa victoire qui nous maintient, frère. Parce que le diable et tout l'enfer s'est déchaîné contre toi, mon frère, contre toi, ma soeur. Il ne veut pas que tu vives. Mais si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu. Alors, comment ne pas louer ces dieux? C'est pour ça, je ne peux pas être de marbre dans la maison du Seigneur, frère. Non. C'est pour ça qu'on dit que, vous savez, c'est, quand nous sommes chauds, hein, vous voyez, déjà l'atmosphère change. Parce que quand je viens, je dis, Seigneur, moi, tu as fait, il faut que j'arrive là-bas. Et puis, il donne un don comme nous l'avons, en inspirant, et puis les cantiques qui s'essuient. Frères et sœurs, vous le regretterez un jour. Mais c'est la vérité. Quand nous étions, nous tous nous étions dans le monde, effectivement. Quand on est dans un endroit qu'on appelait boîte de nuit. Tu entrais comme ça, tu t'assis. Non! Même si tu n'avais pas dansé, on te voyait là. Comment c'est? Quand la musique rentre, effectivement, mais tu perds le contrôle. C'est vrai. Vous l'avez fait, oui. Moi, je l'ai fait. Vous voyez, frère, là, vous commencez, même d'ailleurs, même maintenant, quand vous êtes converti, si vous allez vous passer quelque part, la musique ancienne là, hein, qui a joué là, tout d'un coup, tout d'un peu le contrôle. Ah, je dis, mais c'est vrai, bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose, vous aimiez ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur a fait de vous ce que vous êtes, frère. Non seulement cela, il vous transporte même dans les cantiques spirituels. C'est pas possible que tu sois insensible, frère. Non. En plus de cela, frères et sœurs, que Dieu bénisse Ézéchias. En plus de cela, frères et sœurs, nous nous retrouvons ici, ce n'est qu'une ou deux heures. Dans une journée, je l'ai dit ici une fois, c'est une journée, il y a 24 heures. 24 heures. Et nous restons ici parfois deux heures et demie. Et les 21 heures, qu'est-ce qu'on fait avec?
J'allais quand même pas me dire que tout le vétérinaire, vous êtes là en train d'écouter des cantiques. J'étais non. Il y a beaucoup de choses. Vous avez les WhatsApp, vous avez des ceci, des messages que vous envoyez, des conversations à gauche et à droite. Vous êtes occupé par tout ça. Parfois, vous restez avec pendant 3 heures sans compte. Mais avec Dieu ici, 2 heures. Alors, je préfère profiter pendant ces 2 heures-là de verser mon âme. Vous savez, frères et sœurs, c'est là que le diable réellement n'arrive plus à pouvoir saisir. Parce que toi, tu as compris une chose. Que quand je viens ici, je viens pour être emmagasiné davantage. Vous savez, frères et sœurs, juste un exemple, vous allez voir. Vous savez, quand les militaires vont à la guerre, ils ont ce qu'on appelle les mitrailleuses. Tu sais que les mitrailleuses. La mitrailleuse, effectivement, c'est en fait une arme. Quand tu tires. Mais en fait, la mitrailleuse, c'est vraiment pour que ça puisse toucher l'adversaire et détruire et tuer même l'ennemi. Il faut que les balles rentrent dedans. Ah, mais c'est notre frère qui vient de l'Angleterre. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé en moi. Je suis heureux de te voir. Les balles rentrent dans la. Vous suivez quand même. Je suis heureux quand je peux voir le frère. Si, si, bien. Et les balles rentrent dans la. Et pas boum, boum, boum. Et puis, justement, pour que l'adversaire soit anéanti, il faut que les balles continuent. Et quand on n'a plus de balles, on doit prendre les chargeurs. Amen. Vous savez ce que c'est les chargeurs? Amen. C'est là où on a des balles en réserve. Et puis on remet, on continue à tirer. Et nous, quand nous venons ici, eh bien nous sommes pour nous recharger. Parce que demain, le diable nous attend. Il a déjà travaillé ses plans et tout ça. Alors nous venons ici, le Seigneur dit, mais regardez, demain il va faire ça. Il va faire ça. Oui, monsieur, c'est comme ça qu'il sera lavé la victoire. Parce que le prophète disait ce qui va se passer demain. Donc le Seigneur nous équipe, nous, pour que nous puissions arriver à pouvoir être. C'est la raison pour laquelle, quand nous entrons, nous chantons, nous louons Dieu, ne soyez pas absents. Soyez présents. Parce que nous sommes appelés à pouvoir prendre part, à participer. Oui, frères et sœurs, c'est important que moi je puisse, quand je viens dans la maison du Seigneur, je dois être participant dans ce que Dieu fait. Par ma voix, par ma joie, par mes danses, par ceci. Nous, ici, nous ne sommes pas appelés à être. Il n'y a pas un rythme de contrôle. En fait, il faut que. Non, tu danses comme tu veux, tout en sachant qu'il faut danser spirituellement. Ça, on le sait. Donc, effectivement, que je saute, que je tourne autrement, mais c'est simplement que je danse pour le Seigneur. Et ça, c'est important. On ne va pas te regarder, on dit, mais attention, parce que je ne vais pas voir des gens avec des. Parce que là, on comprend qu'effectivement, qu'ici, c'est le bakassai. Ça, c'est un problème. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que si vous venez avec les danses des ndombolo, si c'est ndombolo que vous avez. Ah ben oui, c'est ce que. Oui, parce que c'est ça le problème. Hein. Vous êtes chez vous à la maison. Et puis, vous avez oublié que vous êtes à l'assemblée. Ah non, les jeunes sœurs doivent comprendre que cela, vous savez comment? Ah oui, ça, on n'a pas besoin d'ici, ici. Vous savez, quand l'Esprit du Seigneur vous environne, votre façon de pouvoir faire les choses change. Sinon, le monde est là, on le voit comme si ils sont spirituellement. Non, en fait, ils sont dans le rythme des choses de la maison, effectivement, qu'ils ont eu à pouvoir s'exercer, s'étirer les jambes et les bras. Ici, on n'a pas besoin de vous voir tirer les jambes et les bras vous savez, et transpirer pour rien. Ici, nous voulons transpirer pour la gloire de Dieu. C'est ça. Alors, lève-nous pour lire dans le livre de Job au chapitre 42. Job, chapitre 42, je pense que c'est cela ici. Voilà, je crois que c'est cela, oui. Et oui, nous avons besoin du Seigneur pour qu'il nous accorde le soutien ou le secours, afin que nous puissions avancer de la manière que lui veut, parce qu'il nous arrive à fois de pouvoir un peu. Vous savez, nous devons tout faire, mais jamais ressembler au monde. C'est pour ça que il faut que vous compreniez, parce que bon, souvent, parfois, il y a des questions qui s'élèvent. Et en rapport avec la chevelure de sœur, coiffez-vous comme vous sentez vous coiffez, mais ne vous coiffez pas comme le monde. Amen. On ne va pas vous dire ici, sœur, coiffez-vous dans tel modèle, parce que dans la Bible, on ne nous a pas dit ça. Mais vous ne devez pas, tout ce que vous devez faire, faites ce qu'il faut faire, mais ne ressemblez jamais au monde. Amen. Parce que si vous ressemblez au monde, parce que vous savez que cet esprit du monde est en vous, alors c'est un problème. Alors donc, Job 42, il dit ceci. Job 42, verset 1, il dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et qu'absolument rien ne s'oppose à tes pensées.
Quel est donc celui qui a la folie d'obscurcir donc mes desseins? Oui, je parlais sans le comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Amen. Nous voulons te dire merci. Merci vraiment, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Dans le moindre détail, tu fais beaucoup de choses que parfois nous ne voyons pas. Nous attendons parfois de voir de grandes choses, mais dans les secrets, Père Tout-Puissant, tu fais tellement de choses extraordinaires. Nous te remercions parce que tu es vraiment Dieu dans ta façon de pouvoir faire les choses. Maintenant, Père, nous venons de lire ta parole à toi. Elle touche nos cœurs. Merci. Et nous voulons que tu nous aides encore davantage, mon Père, pour que nous puissions saisir, oh Dieu, ce que toi tu veux que nous puissions recevoir. Et comme nous l'avons entendu, c'est vrai, nous voulons être ravitaillés aujourd'hui, être nourris pour que demain, quand nous sortirons, Père Tout-Puissant, même Satan, s'il avait fait des projets de pouvoir nous détruire, Seigneur, qu'il ne puisse pas avoir la possibilité de pouvoir le faire. Parce que tu as dit tout un projet contre toi sera donc sans effet. Merci encore pour ton amour et ta bonté, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce que Job a eu à pouvoir déclarer et que la question qui lui a été donc posée, et comme nous voulons l'entendre ici, nous venons l'entendre au verset 3, quel est donc celui qui a donc la folie d'obscurcir mes desseins? Dans Job au chapitre 38, là nous voyons clairement effectivement l'expression du Seigneur en rapport avec cet homme Job effectivement qui passé par ce moment difficile et d'une certaine manière, effectivement aussi, qui faisait des déclarations, montrant effectivement comment il a été, comment il a marché, comment il est. Verset 1, il dit, Job 38, verset 1, il dit, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, » parce que Job disait des choses, effectivement, et alors il lui dit ceci, « Qui est donc celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Donc, effectivement, la manière dont Job était donc poussé à pouvoir répondre et dire, il a commencé à pouvoir parler de beaucoup de choses et parce que dans son épreuve, il y a eu ses amis qui étaient donc ses amis et qui sont venus et que dont on espérait que lui, il espérait qu'il venait pouvoir le consoler, mais ils sont venus donc l'accabler, effectivement, pour lui dire des choses que c'est parce que tu as péché contre Dieu, tu as fait ceci, effectivement, que tu as fait des choses, et ceci et cela que Dieu ne voulait pas. C'est pour cela que le châtiment est tombé sur toi de cette manière-là, effectivement. Donc, il était vraiment accablé par ses amis, et cela a poussé aussi l'homme, effectivement, à sortir, effectivement, de ce qu'il était pour pouvoir commencer à pouvoir se justifier devant ces hommes-là qui étaient donc devant lui. Alors, c'est là qu'effectivement, en cherchant à pouvoir se justifier, effectivement, qu'il a eu à pouvoir effectivement aussi dire des choses, effectivement, pour lesquelles le Seigneur est venu pour pouvoir lui parler, pour le ramener, effectivement, à ce qu'il ne perde pas conscience, effectivement, de ce que lui, il est, et aussi de ce que Dieu, il est. Parce que le Seigneur lui a dit une parole assez profonde, effectivement, pour que l'homme soit réveillé, qu'il comprenne, effectivement, que ici, il y a donc l'action de ces dieux, effectivement, dans ce qui se passe. Il dit, mais, parce que Dieu dit, mais qui est celui qui obscurcit donc mes desseins par des discours sans intelligence? Vous savez, ça veut dire, effectivement, obscurcir, effectivement. C'est-à-dire que vous êtes en train de pouvoir intervenir, effectivement, et par votre façon de voir, effectivement, dans le fait que vous rendez, effectivement, vraiment, que ce que Dieu est en train de voir, effectivement, chose qui devient, effectivement, comme si des gens qu'on ne voit pas tellement très bien. Alors, c'est cela qui dit, mais qui est celui qui, donc, s'adressant donc à Job, il dit, parce que par ce qu'il était en train de voir, parler, raconter, effectivement. En fait, il manifestait comme si, en fait, réellement, qu'il avait de droit, qu'il était l'innocent, effectivement. C'est parce que Dieu savait. Qu'il n'était pas comme ses amis le regardaient. Il n'avait pas à pouvoir faire sortir beaucoup de paroles pour lui dire, ouais, moi je suis pas, et le Seigneur a vu, et ceci et cela. On n'a pas besoin. C'est-à-dire que, il faut que nous reconnaissions que c'est lui qui nous justifie. Qui nous dira toujours, c'est toujours le Seigneur. Le chrétien doit apprendre à pouvoir toujours compter sur le Seigneur. Pas se justifier tout le temps. Oui, les critiques viendront. Même se justifier auprès de quelqu'un, il va continuer à te critiquer davantage. Le plus important, c'est de laisser le Seigneur fermer la bouche de Jean. Parce que dans le psaume au chapitre 36 ou 37, je pense, psaume, nous allons peut-être le trouver ici.
Psaume 37, je suppose que c'est cela. Psaume 35 ou 36, mais je pense que c'est cela. Oui. Parce que nous avons, et c'est vrai que les diables vont vous pousser vraiment tellement pousser pour que vous puissiez, et en commençant à parler, vous direz même n'importe quoi. C'est pour ça que il faut que nous apprenions comment l'attitude d'un chrétien, un fils de Dieu, devant des situations effectivement dans lesquelles... Parce que nous voyons le modèle du Seigneur. Psaume 37, il dit, écoutez bien. Il dit ceci, psaume 37, verset 1, il dit... Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils s'efflétissent évidemment comme les gazons verts. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais donc de l'Éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, certainement il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière. Et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. C'est toujours nécessaire. Souvent, certainement, nous sommes parfois acculés par des gens. On dit oui, tu as fait et il a fait effectivement. Quand tu n'as pas fait, ce n'est pas nécessaire de pouvoir toujours, vous me connaissez, vous essayez cela. Ce n'est pas nécessaire parce que déjà derrière la personne qui vient t'attaquer, il y a déjà l'ennemi là. Il lui a déjà mis des pensées, oui, il va agir comme ça. Toi, agis de la manière dont Dieu t'attend que tu agisses. Amen. Ça veut dire qu'il vient t'accuser, tu le laisses t'accuser. Parce que s'il t'accuse, effectivement, vous savez, frères et sœurs, c'est pour ça que nous avons besoin de connaître les saintes écritures. C'est notre arme que Dieu nous a donnée. Regardez, on pense dans le livre, ici, je pense que dans le livre d'Esaïe, quelque part, je pense que ça doit être Esaïe, effectivement, mais je ne sais plus très bien, mais je dois peut-être être oublié, peut-être 48, je pense, nous allons peut-être voir, peut-être Esaïe, je lève somme là, Esaïe, probablement. Alors, c'est Esaïe qui nous le citons la plupart du temps ici, hein, où les seigneurs nous fait part de cela, vous connaissez cela, nous l'avons même cité tout à l'heure dans la prière, et que dans Matthieu 58 ou 48, je suppose que c'est cela, voilà, c'est pour Dieu, mais je voudrais bien que nous puissions nous dire, ah si, c'est Esaïe, je pense bien. Alors, c'est dans cette écriture, nous le disons tantôt, il disait, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Vous vous souvenez? Mais voilà, c'est 54, Esaïe 54, c'est cela, Esaïe 54, oui, Esaïe 54, et il nous dit ici, regardez là-haut, pour que vous compreniez pourquoi j'ai cité cela, il dit ici, verset 14, il dit, tu seras affermi par la justice, béni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur car n'approchera pas de toi. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. M'écoutez encore. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé les destructeurs pour la briser. Maintenant, écoutez bien. Toute arme forgée contre toi sera... Maintenant, la suite, il dit quoi? La suite. Il dit, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, messieurs. Bien sûr, madame. Mais ça, c'est ce que Dieu, notre Seigneur, te donne à toi. C'est pour ça que le Seigneur a même dit à ses disciples, quand on vous amènera dans les tribunaux, ne prenez pas que c'est ça pour vous édifier, vous pensez que... Mais prenez même pas, mais votre Père s'est venu à ce moment-là, ce que vous devez arriver à pouvoir dire. Est-ce que vous comprenez? Je ne prémédite absolument rien. C'est-à-dire que je ne cherche pas à pouvoir me justifier, mais Dieu va prendre ma défense à ce moment-là. C'est-à-dire que devant une situation où quelqu'un veut te pousser, vraiment dit, oui, parce que c'est parce que, vous savez, quand l'oppression vient, et tu perds le contrôle à cet moment. Ils sont très malins, les gens comme les services secrets qui vous arrêtent quelque part pour vous dire, bon, pour aller vous interroger, quand ils vont vous interroger, ils savent comment vous mettre sous pression. Ils vous poussent à un point, et bien, vous maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand on met la pression, la peur rentre. Il vous dit, si vous faites, on va faire ceci, la peur vient, et puis évidemment, pas, vous sortez de votre gorge. Vous direz parfois des choses qu'il ne faut même pas dire. Vous savez, et je ne vais pas rester dedans. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes convoqué, par exemple, à la police, on dit, vous pourrez pourrir l'affaire. Ben, les policiers ou ces gens-là, ils ont entendu pour moi des choses, simplement, vous savez, des choses que quelqu'un a eu à pouvoir dire à votre propos.
Maintenant, qu'est-ce qu'ils cherchent, effectivement? C'est que vous, vous leur dites, effectivement, parce qu'ils ne savent pas savoir qui vous êtes. Mais c'est là que vous, vous commettez les erreurs. Quand vous allez pouvoir leur parler, vous leur dites des choses qu'il ne faut même pas parler à la police. C'est comme ça qu'ils sauront que... Parce que dans la peur, effectivement, on dit, mais vous savez, monsieur, je vais vous dire une chose, pour que vous puissiez arriver à pouvoir comprendre cet exemple que je vous donne. Et puis, c'est pas la chose ce soir, mais je crois que c'est important que vous compreniez. Parce que des enfants de Dieu, on doit être sages. Amen. J'habite en province, comme vous savez, donc à Dederleu. Et là, chez nous, à Dederleu, nous avons ce qu'on appelle les systèmes de poubelles qui sont jaunes. Et tout ce qui habite là-bas, ils le savent. C'est-à-dire qu'en fait, que bon, ces poubelles coûtent excessivement cher parce que les sacs poubelles. On ne peut pas mettre les sacs poubelles d'ici, c'est là que les sacs poubelles là-bas. Alors, comme ça coûte tellement si cher, et moi, depuis que je suis là-bas, j'ai fait ma poubelle, mais, puisque je suis et là-bas et à Bruxelles. Et puis, en plus, les gens peuvent dire, oh frère, mais je paye pour cela. Hein. Tous les trucs machin que vous mettez ici, ce n'est pas gratuit. Donc tous ici, on paye cela. C'est-à-dire que nous contribuons, nous payons pour cela. Ah oui, au marché, Bruxelles, propreté, eh bien, on nous envoie la facture. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire, non, on paye. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, je prends ce qu'il y a à pouvoir prendre et je mets toujours dans les sacs. Alors, depuis des années, ça va faire des années, mes voisins et les gens même des éboueurs de la commune ne se sont jamais arrêtés chez moi pour ramasser les poubelles et partir. Alors, ils se sont dit, mais dans cette maison, ils mangent, ils boivent ou pas? C'est pas possible. Ni les canettes, parce qu'il y a des canettes. Ni les chiens, on ne voit rien chez eux. Alors maintenant, comment on va arriver à pouvoir savoir ce qui se passe? C'est pas normal. Ce sont toujours ces gens-là. Ils sont allés contacter la police. Moi, je ne savais pas. Et il faut toujours faire très attention avec les gens. Mais bien sûr, c'est comme ça que ça marche. Il se dit, mais c'est pas possible. Il y a un monsieur là, dans cette année. Christ, a dit, donnez mon nom, enfin, donnez l'adresse, effectivement, tout ça. Il dit, depuis, ça fait des années qu'ils sont là. On ne ramasse même pas une poubelle chez eux. Qu'est-ce qu'il faut? Ils mangent ou quoi? Parce qu'ils ont des trous chez eux. C'est dit, c'est pas possible, ces gens-là. Il n'y a rien, toujours. Nous, on passe là-bas, chez les autres, on ramasse. Mais chez eux, rien. Sexe. Mais c'est la vérité. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe chez eux? Comme vous savez, comment c'est un état policier ici. Hein. Et voilà que moi, j'étais chez moi un jour. Ils sont malins, ces gens. Et moi, je n'avais pas fait attention. Alors, il sonne chez moi, il dit, c'est vous, Ménier, vous dites, c'est vous, c'est chez vous. Je me dis, bien sûr, c'est chez moi. Et si, je dis, mais quel honneur. Vous savez d'abord une chose, c'est ce que vous devez savoir. Bon, je sais qu'ils nous écoutent. Les policiers, quand ils viennent chez toi, c'est souvent les gens sont ignorants. Hein. Directement, entrez, messieurs. Non. Il n'est pas obligé d'entrer chez vous. Il reste là. Ah oui. Parce que nous sommes là, oui, monsieur, entrez, asseyez-vous. Mais bien sûr, vous avez accès, il vérifie votre maison. Si vous dites, il doit vous demander, est-ce que je peux entrer? Puis comme avec amour pour lui, oui, entrez. Non, je lui dis, non, monsieur, aujourd'hui, non. Restez. Ah, mais les jours où ils sont venus contrôler chez moi pendant la quarantaine, si c'est, comment on appelle ça? Confinement. Parce que... Vous connaissez, non? Et oui, c'est ça le problème. Les voisins disent, mais c'est pas possible. Et, bon. Et ils sont venus, j'avais encore la famille qui était là-bas. Parce que vous connaissez Marie, comment elle fait? Quand elle est dans tes territoires, tous les quartiers entendent Marie. Vous la connaissez, non? Marie, là, un tonton, vous la connaissez bien. Et les voisins, pidon, 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 pidon. Après, j'étais là, on sonne. Et je viens devant, j'étais là devant comme ça, je dis, bon, monsieur, on nous a dit que chez vous, j'ai dit chez moi, oui, c'est pour ça que, d'ailleurs, nous savons que dans cette maison, il y a autant de personnes, mais il semble qu'il y a une foule, j'ai dit, elle vient où la foule? Mais parce que bon, on a dit, bon, nous voulons entrer pour pouvoir vérifier, je dis, oh. Non, monsieur, d'ailleurs, vous ne pouvez pas entrer. Ah, j'ai dit non. Ils sont restés devant la porte. Mais nous voulons juste voir. Je dis non. Vous voulez voir qui? Ce que je vous dis, ce n'est pas un jeu. C'est moi qui dis, vous voulez voir qui? J'étais debout comme ça, j'étais en bas. Vous voulez voir qui?
Ben, nous voulons voir ce qu'il nous a dit. Qu'ils sont là, ben, derrière, il y avait. J'ai dit, ok, vous voulez voir? Non, vous n'entrez pas. Ok, bon, alors, on veut vous rappeler seulement que. Il est interdit dans le confinement que vous ne devez pas recevoir, que vous ne devez pas faire ceci, faire cela. Il n'y a pas de problème. Mais nous insistons, il semble qu'il y a une foule. On peut rentrer même par les jardins. J'ai dit non. Si vous ne rentrez pas ni par les jardins, ni par la porte, vous restez ici. Vous voulez voir des gens? Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je vous fais venir les gens. Il dit, venez. Il dit qui? C'est Elisabeth. Je dis, c'est ma petite sœur. Et quoi encore? Vous voulez encore voir quoi? Et j'ai dit, Daniel! Il dit, toi tu parles bien néerlandais, viens ici. Et c'est mon petit neveu. Ah bon? J'ai dit, mais bien sûr. Vous voulez quoi? David! Et puis, la célèbre Marie. J'ai dit, vous voyez ce que j'ai chez moi. C'est ça, effectivement, c'est ce que vous avez entendu, tambour battant. Eh bien, c'est si. Donc, on veut vous rappeler, monsieur. J'ai dit, oui, je vous écoute. Que si on entend encore qu'il y a la foule chez vous, comme c'est. Et puis il me dit, je leur dis, je ne vais pas aller loin pour les parler. J'ai dit, mais monsieur, c'est quand même ma famille, non? J'ai dit, je vais quand même voir ma famille. Il dit, oui, je dis, mais c'est même interdit que je vois les miens. Il dit, j'ai dit, ça fait un bon bout de temps qu'ils ne me voient pas quand même. Ils ont voit quand même leur oncle. Il dit, oui. Et il dit, oui, mais monsieur, parce que bon, nous, on nous a fait comprendre que vous avez. Bon, il dit, mais écoutez, monsieur. J'ai dit, écoutez, monsieur. J'ai dit, j'étais toujours gentil aussi. Devant, je ne laissais pas entrer. J'ai dit, écoutez, monsieur, nous voulons vous dire une chose. Écoutez, patientez un peu. Hein. Dans quelques jours, ça va être plus grand. C'est-à-dire qu'on va libérer. Alors, vous pouvez venir de votre famille. Mais maintenant, les voisins. J'ai dit, merci beaucoup, monsieur. Il dit, on ne vous donne pas la main d'aujourd'hui. Mais si on vous retrouve encore peut-être dans la semaine avant qu'on déconfine, j'ai dit, non, je vais attendre le déconfinement. Donc, c'est pour dire que je l'ai dit aussi. Donc, c'est votre droit de ne pas faire entrer. Mais soyez toujours gentils, ils sont gentils. Hein. Soyez toujours gentils, ils font leur travail. Si vous êtes gentils, il n'y a pas de problème. Donc, je disais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on n'est pas obligé de pouvoir faire entrer à l'intérieur. C'est votre droit à vous. Et voilà, je termine par là. Il me dit, monsieur, on est venu chez vous. Et puis, moi, je dis, oui. Alors, il me dit, vous habitez ici? Il me dit, oui, j'habite ici. Il dit, oh, toujours ici. Moi, je dis, mais toujours ici, oui. Et on a un souci avec vous. Moi, je dis, quel souci? Écoutez, quel souci d'abord? Je dis, oui. En fait, ils étaient intelligents. Il dit, on a trouvé un sac poubelle dans la rue quelque part, là. Ah ben, j'ai dit, un sac poubelle dans la rue quelque part. On dit, oui, un sac poubelle qui était comme abandonné comme ça. Et puis, on a vu une enveloppe à côté. Et cette enveloppe était à votre nom et votre adresse. J'ai dit, l'enveloppe à mon nom et mon adresse. Et la poubelle, donc, ce qu'on a mis, une poubelle clandestine, oui, c'était une poubelle qui est là. C'est pour ça qu'on est venu donc vous poser la question en rapport avec vos poubelles. Alors, moi, je n'ai pas fait attention. J'aurais pu dire, mais monsieur, montrez-moi d'abord la lettre que vous avez ramassée pour que moi, je vous explique, effectivement, que je reconnaisse ce que cela peut. Vous savez, quand ils ont parlé, mais d'abord, ils m'ont dit, on a trouvé une poubelle avec votre... Je dis, oui, mon Dieu, mais qui chez moi s'est trompé pour aller déposer les poubelles là-bas parce qu'on ne fait jamais ça? Voyez-vous, j'ai perdu la raison un tout petit peu. J'ai dit, oh là là là, ils étaient malins. J'ai dit, écoutez, monsieur, moi, ma poubelle, je ne mets jamais les poubelles dehors. D'ailleurs, venez. venez, je vais vous montrer. Eh oui, je suis tombé les pieds, je lui ai monté, dit, voici les poubelles de Bruxelles, je travaille à Bruxelles, donc les poubelles sont là, je ramasse tout ça, tout, et je les ai tout dit. Il dit, ah, bon, vous voulez savoir. Donc ils ont su qu'effectivement, que monsieur, voilà pourquoi il envoie les poubelles d'abord, parce qu'il amène ça à Bruxelles. Monsieur, je ne l'avais pas fait rentrer. C'est pour dire que la pression peut nous faire dire des choses qu'il ne faut pas arriver à pouvoir dire. Donc on arrive à ça. C'est pour ça qu'il faut toujours être. Il faut toujours être quelqu'un de paisible, de conscient. Même. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Parce que l'arme de Satan, c'est de pouvoir nous faire peur. Il met la pression, c'est mon attirement. Surtout, vous avez déjà remarqué, mais pourquoi je suis dedans, mon Dieu? Parce que je dois lire une écriture ici, c'est pour ça que je tourne en rond. Vous avez déjà commencé. Parce que vous avez déjà remarqué comment est-ce que les gens qui font en fait ce qu'on appelle les services bien spéciaux des militaires, effectivement, policiers militaires. Comment ils sont habillés? En noir, avec des cagoules. Mais c'est pour impressionner les gens.
S'il vient, vous êtes découvert comme ça, effectivement, vous allez être tout. Il vient avec des cagoules, des vêtements noirs, etc. Vous voyez, c'est là, cet homme-là, ça impressionne, ça fait la peur. Ça fait que la personne perd le contrôle. C'est ça, en fait, de la manière de ça. Donc, nous devons être des personnes qui, même dans une situation, même la peur peut arriver, on prie le Seigneur pour soit calmer. Et même si tu es convoqué, parce que quand on dit, ah, la commune te convoque, ceci et cela, on commence à trembler. Il ne faut pas trembler. Donc, on te convoque. Je vais l'entendre. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Qu'est-ce qu'il y a comme problème, comme ça aussi? Parce que quand tu as la paix, tu attends, à ce moment-là, le Seigneur va t'inspirer. Si tu es troublé, tout est embrouillé, alors on commence à dire, t'accuser, ceci et cela, il faut avoir la paix, le Seigneur lui-même va agir. Donc, nous voyons qu'effectivement, que c'est ça en fait que nous comprenons que Job était donc dans cette pression des autres. Et qu'il a fait sortir effectivement de paroles dont le Seigneur dit, mais qui est celui qui obscurcit mes desseins? Pas des discours sans intelligence. Parce que dans ton épreuve, les gens peuvent dire. Vous savez, c'est souvent ça la manière de ce qu'on appelle des soi-disant frères, soi-disant sœurs. Quand tu passes par un moment, ils ne comprennent même pas tellement, ils n'ont même pas prié, mais ils commencent à vouloir parler. Mais c'est parce qu'il a fait. Et puis quand tu entends les critiques des frères et des sœurs que tu aimes, comment ils parlent du mal de toi, ça te met hors de toi-même. Tu es contraint à pouvoir le justifier, tu prends un téléphone. Non, je ne suis pas comme ça pour moi. Vous pensez mal de moi, effectivement. Tu n'as pas besoin de dire ça. Laisse simplement le Seigneur lui-même te justifier parce que c'est par quoi le Seigneur te fait passer. C'est qu'il y a bien une raison. C'est pour ça qu'il dit, mais qui est celui qui obscurcit mes desseins? Pas des discours sans intelligence. Et nous savons aussi que, et c'est important, que Dieu ne fait absolument rien pour rien. Il a toujours un dessein qu'il poursuit, effectivement. La question de pouvoir savoir, effectivement, c'est toujours important pour toi et moi que nous puissions comprendre et saisir, effectivement, quel est vraiment le dessein de Dieu pour ce temps, pour moi-même et pour l'Église, effectivement. Qu'est-ce que Dieu cherche? Par exemple, pour nous, on peut se poser la question, effectivement, mais en réalité, mais est-ce que vraiment, quand on parle de dessein, Dieu a-t-il un dessein pour toi et pour moi, pour son peuple? Qu'est-ce qu'il a comme dessein? Dans le livre de Romains au chapitre 8, regardons. Nous comprenons que le Seigneur lui-même, il nous dit ce qu'il est en train de pouvoir faire. Et là, nous nous poserons la question de pouvoir savoir, mais c'est en rapport avec quoi en réalité? Romains au chapitre 8, il nous dit, et verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon donc son dessein. Donc Dieu a vraiment un dessein. Et quand il fait effectivement quelque chose, même dans le temps dans lequel nous sommes ici, il le fait parce qu'il a un dessein. Et maintenant, il faut que nous comprenions tous effectivement quel est donc ce dessein pour Dieu, effectivement, pour ce temps, parce que si nous connaissons ses desseins, alors même dans les moments les plus difficiles, même si on nous pousse, effectivement, dans la pression, on ne pourra jamais arriver à pouvoir ni murmurer, ni ça, pouvoir dire, je suis innocent de ceci et cela. Je donne un exemple, vous comprenez ce que je veux dire? En fait, justifier auprès des gens, nous avons confiance que si je suis en train d'être dans cette condition, c'est la volonté de Dieu. Et si Dieu m'a placé dans cette position, effectivement, que c'est sa volonté, Dieu est celui qui doit prendre soin. Il doit réellement, parce que frères et sœurs, un fils de Dieu n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup trop. Il faut arrêter de trop parler. C'est-à-dire que ça va, celui qui parle trop pêche beaucoup. C'est-à-dire qu'on doit apprendre, effectivement, à être des personnes. Vous savez, le proverbe dit, effectivement, que même l'insensé, quand il s'était, vous savez l'insensé, non? On les prend pour un sage. Alors, s'il est sage, c'était, il est plus sage encore que les. Est-ce que vous comprenez? S'il est insensé, c'était, on dit, non, mais en fait, il dit, on lui donne du respect. Alors que c'était un insensé. Donc, aussi, toi, en tant que fils de Dieu, si t'étais, comment effectivement encore le respect sera encore beau? Parce que, frères et sœurs, il faut toujours faire très attention, parce que l'ennemi va te pousser à pouvoir toujours parler. Et puis, ce qui veut dire que les gens vont se poser la question, mais en fait, mais même si tu avais raison, mais ta façon de pouvoir parler, c'est souvent comme ça. Même si on avait raison, mais quand on s'édifie d'une manière qui n'est pas bonne, tu perds même, effectivement, aussi cette position de respect que tu avais, mais qu'on veut considérer qu'il avait raison. Donc, en fait, tu as détruit même ce que tu avais, effectivement, que le Seigneur voulait. Alors, ici, nous lisons, effectivement, il dit, mais qui sont donc appelés selon ce. Donc, quel est donc ce dessein dont le Seigneur, effectivement, pour lequel il nous a donc appelés? Regardez très bien ici, dans les Saintes Écritures, dans le livre de Colossiens,
Je crois que c'est l'apôtre Paul qui nous dit cela, qui nous montre effectivement ce qu'il a. C'est Colossiens, je pense, quelque chose que je pense que c'est Colossiens, effectivement. Voilà, c'est Colossiens au chapitre 1. Et il nous dit ceci, une chose qui est très importante. Il dit, voilà que, verset 24, il dit, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église, c'est d'elle dont j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Enfin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges me révélés maintenant à ses saints. Regardez, cet homme il dit effectivement que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir ce ministère pour vous en fait, pour vous, c'est-à-dire pour l'Église. Et puis il dit, mais enfin que moi ici je puisse annoncer pleinement la parole de Dieu. Et je sais que cet homme ici, il va pouvoir dire, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. Il dit, mais que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Et puis il dit que le mystère caché de tout temps, donc tout ce que, pendant tout temps, ce que Dieu avait réellement caché, son désir était de pouvoir le révéler, en un temps bien déterminé. Est-ce que vous suivez? Donc, Dieu avait le désir de pouvoir, c'est ça le dessein qui est de Dieu. Écoutez d'abord. Donc, de pouvoir, ces desseins, ce mystère qui était caché, il dit bien, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Et puis il dit, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, pendant tout ce temps qui sont passés, effectivement, Dieu n'a pas voulu, effectivement, manifester cette révélation. Et parce que c'était un dessein que Dieu avait. Vous vous souvenez de ce que Job disait, mon Rédempteur s'élèvera et s'étiendra, vous connaissez, non? Donc il n'a pas voulu qu'il s'étienne à ce moment-là. Donc il avait un dessein parce qu'il avait un temps qu'il avait donc déterminé pour que cela puisse se passer. Mais regardez très bien, il dit, mais me cacher de tout temps, révéler maintenant. Alors il dit, Dieu a voulu, mais Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir. Alors, regardez une chose qui est merveilleuse. Il dit, à savoir quoi? À savoir que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il dit, c'est lui donc que nous annonçons, exhortant tout homme. Vous suivez? Instruisant tout homme en toute sagesse. Pour quelle raison? Parce que le dessein de Dieu est que nous puissions présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est-à-dire que l'homme devienne parfait, mais devienne parfait par sa propre manière de pouvoir faire les choses, par ses propres prières, effectivement, par ses propres efforts. Non, messieurs, ce que le dessein de Dieu, c'est que pour que l'homme soit parfait, alors il a pourvu, effectivement, le moyen par lequel l'homme puisse atteindre cette perfection. Si nous prenons dans Éphésiens au chapitre 1, regardez très bien, il nous fait comprendre cela. Éphésiens au chapitre 1, il nous dit quelque chose qui est très important. Il dit, voilà, il dit, en lui nous avons donc la rédemption, verset 7, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Vous vous souvenez, nous avons lu ça dans le livre tout à l'heure. Il dit dans Colossiens, vous vous souvenez? Et ici, il nous fait comprendre qu'il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Vous suivez cela? Amen. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Tout à l'heure, quand on lisait, vous n'avez pas fait attention, parce que je sais que vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas fait attention. Tout à l'heure, quand on lisait, vous avez remarqué ce que l'apôtre Paul disait. Il dit, j'ai été fait ministre, effectivement, pour pouvoir annoncer pleinement la parole de Dieu. C'est ça le dessein de Dieu. Mais pour quelle raison, effectivement? Parce que les mystères cachés de temps, Dieu a voulu, en fait, cela soit révélé maintenant. Donc, c'est le dessein de Dieu maintenant. Quel était donc ce mystère, effectivement? Il nous a dit, Christ en vous. C'est-à-dire qu'en fait, le dessein de Dieu, dans tout ce qu'il est en train de pouvoir faire, c'est qu'il poursuit un objectif. Mais toi, tu dois connaître effectivement cet objectif de Dieu, en fait. Dans le temps dans lequel toi tu vis, effectivement. Oh oui, monsieur, dans les temps de Noé, les dieux avaient un dessein. C'était quel dessein, effectivement? L'arche. Mais il fallait le savoir que c'était ça ce que Dieu voulait. Finalement, son dessein, ça voulait dire que nous entrions dans l'arche. Est-ce que vous suivez?
au temps de Moïse aussi. Pareil. Dans les temps dans lesquels aussi nous nous trouvons aussi, quand on peut voir les âges, il y a un objectif que Dieu poursuit en fait. Parce qu'il a dit que ceux qui sont appelés selon son dessein. Si toi tu es appelé selon le dessein de Dieu, il faut que tu connaisses quel est donc ce dessein. Parce que Dieu ne peut pas te laisser sans connaître son dessein. Pourquoi? Parce qu'il dit que dans Hébreux chapitre 10, il nous dit une parole que je vais vous lire, que vous connaissez déjà bien aussi vous-même. Il dit au verset, nous dirons à partir du verset 35, je pense, oui, verset 35, il dit, « N'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée donc une grande rémunération, car vous savez bien que vous avez besoin de persévérance afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Donc, pour accomplir la volonté de Dieu, nous devons connaître quelle est la volonté de Dieu. Donc c'est exactement cela, effectivement, qu'il y a un dessein que Dieu a eu. Quand on parle de dessein, effectivement, c'est le plan, le programme, le projet de Dieu, effectivement. C'est-à-dire que c'est que Dieu cherche à atteindre comme son but, en fait. Avec effectivement, et c'est là l'apôtre Paul qui résume ça dans un livre, afin de présenter à Dieu, tout homme. Donc chaque homme devenu parfait en Christ, effectivement. Parce que c'est ça le désir de Dieu, effectivement. Comme il dit, mais Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors nous l'avons lu avec vous demain dans le livre, effectivement, d'Éphésiens au chapitre 1, nous l'avons entendu, effectivement. En lui, Dieu, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, verset 7, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse. Il nous a fait connaître. C'est-à-dire que c'est pas caché. Il nous a fait connaître. Le mystère de sa volonté. Ce que l'apôtre Paul a dit. Les mystères cachés de tout temps, mais révélés maintenant. Vous vous souvenez, non? Amen. Vous l'avez lu, hein? Mm-hmm. Alors il dit, mais mystère de sa volonté, c'est-à-dire que c'est non. Selon quoi le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Maintenant, écoutez bien. Il avait formé ce dessein à lui-même, ce projet que Dieu cherche à vous atteindre, finalement. Et l'écriture devient encore plus clair. Il dit, pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli. Donc il fallait que le temps approprié soit arrivé pour que les desseins que Dieu avait formés d'avance, ça puisse maintenant être mis maintenant en exécution. Que Dieu puisse maintenant dire, maintenant voici le temps, voilà ce que je veux pour l'instant. N'oubliez pas ce que vous entendez, parce que au temps de Noé, les desseins étaient l'arche soit construite. Et que tout un chacun doit être sauvé en dans l'arche. Mais maintenant, ici, dans le temps dans lequel nous sommes, on doit nous dire, quel est donc le dessein de Dieu? Qu'est-ce que Dieu cherche? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce qu'on ne peut pas marcher comme ça avec Dieu, tout en disant non. Qu'est-ce qu'il veut, effectivement? Noé comprenait ce que Dieu voulait. C'est pour ça que les gens le prenaient pour un fou. Il s'est levé. Il savait que Dieu avait un dessein. Le dessein était que les hommes soient sauvés. Mais par quel moyen? Il a pourvu le moyen. C'est pour ça un homme qui était seul, effectivement, qui, on disait, mais il ne peut pas. Non, cet homme s'est levé, il a commencé à couper du bois. On a traité pour un fou. Mais il accomplissait ce que Dieu, donc Dieu, par cet homme-là, il accomplissait son dessein. Pour les saluts, disons, cet homme-là. C'est pour ça qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis, cet homme-là, pouvait quand pas dire, bon, je prends le bois, je coupe le bois. Non, Dieu lui a dit, non. Dieu avait un dessein, c'était pas n'importe quel bois, c'était le bois de Gopher. Vous suivez? Donc effectivement, il faut comprendre. C'est pour ça que cet homme n'a pas construit comme il le voulait. Mais il a attendu effectivement que Dieu lui dise de quelle manière. Parce que si il construit avec notre bois, quand la pluie tomberait, effectivement, etc. Mais ça allait s'enfoncer. Les bois allaient absorber de l'eau, effectivement. Bien sûr, ça allait couler. Mais il fallait que ça soit dit. Mais quel est le dessein de comment Dieu veut qu'on fasse les choses pour être sauvé? Il a révélé ça à Noé, il dit, mais prends le bois de Gopher et prends ceci, coupe ça comme ça, enduit de poids, parce que Noé ne le savait pas. Il faut enduire de poids, et ça, Dieu savait ce qu'il cherchait. Son plan était là, son dessin était là, fais-le comme ça, fais les étages comme ça, il dit, oui. Noé ne savait pas. Quand il dit, bref, construit comme ça, il savait bien. Pourquoi? Parce qu'il allait faire venir les animaux. Il avait un dessin. Que là soit comme ceci, parce qu'il y aura des animaux ici, et ce soit par-ci, par-là, Dieu savait. Il dit, construis ça comme ça. Et c'était ça le plan de Dieu. Et tout homme qui aurait compris quand il aurait vu effectivement les choses de Dieu, effectivement, ce salut soit révélé, il entrerait dans cela. Alors,
il serait donc sauvé. Mais regardez maintenant, comme il dit ici, on continue dans Éphésiens, il dit, pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait donc accompli, vous suivez, de réunir toutes choses en Christ, toujours. Parce que, en ce temps-là, Christ n'était pas manifesté, c'était simplement l'Esprit de Dieu qui manifestait, effectivement. Mais dans notre temps, dans la Nouvelle Alliance, effectivement, c'est pour ça qu'on dit que personne ne vous juge pour des fêtes ou de ceci ou de cela, pour de ceci et de cela, parce que toutes ces choses-là, c'était l'ombre. Mais la réalité est en Christ. Bien sûr, monsieur, bien sûr, madame. C'est pour ça que ici, les saints individus, on dit, mais le temps, c'est accompli de réunir, vous voyez bien, toutes choses, de réunir, vous voyez bien, toutes choses en Christ, écoutez très bien, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, de réunir toutes choses, effectivement, en Christ, ça doit nous rappeler qu'effectivement, que vous vous souvenez, frères et sœurs, je pense que dans les saintes écritures, dans le livre de Colossiens, regardez, comment Dieu s'exprime aussi, Colossiens au chapitre 1, à ce sujet-là aussi. Il dit ici, Colossiens au chapitre 1, le verset, je pense, oui, c'est ça, oui, voilà. Colossiens chapitre 1, il dit, au verset 19, il dit, car Dieu a voulu faire habiter, plutôt la plénitude d'habiter en lui, je pense, c'est cela, oui. Verset 20, il dit, il a voulu, vous suivez? Parce que vous devez garder ça à l'esprit, mon frère et ma soeur, ce que nous avons lu dans le livre de Colossiens, au chapitre 1, je pense, à partir du verset 25-26, où l'apôtre Paul nous disait qu'il a été appelé à annoncer pleinement la parole de Dieu, les mystères cachés de tout temps, mais dans tous les âges, mais révélés maintenant. Dieu a voulu faire connaître effectivement la glorie de ces mystères parmi vous, à savoir Christ en vous. Vous comprenez cela? Et puis, nous sommes allés effectivement dans le livre des Éphésiens au chapitre 1, où il nous a parlé effectivement du bienveillant dessein que le Seigneur notre Dieu nous a révélé, vous souvenez? Et c'était de quoi en fait? De réunir toutes choses en Christ. Est-ce que vous entendez cela? Et c'est écrit ici, il dit, pour mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, toutes choses réunies en Christ. Colossiens au chapitre 1 maintenant, il dit, verset 20, il dit, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. C'est l'objectif de Dieu en fait. C'est le dessein de Dieu en fait, de pouvoir arriver à pouvoir réconcilier. Parce que vous connaissez ce qui s'est passé avec Adam, et effectivement. Donc, alors là, il y avait en fait une cassure, vous comprenez cela? Alors l'objectif de Dieu était de rapporter cette réconciliation, entre que tout soit maintenant ramené, afin que la réconciliation soit rétablie, effectivement. Il dit, il a voulu par lui. Donc, il y a une personne par laquelle Dieu donc avait prévu, et pourvu, et destiné à ce que tout ce qui était donc à côté, à gauche et à droite, effectivement, qui était donc effectivement disloqué, puisse retrouver effectivement ce qu'on appelle l'unité. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est les plans de Dieu. Regardez très bien. C'est les plans de Dieu, en fait. C'est son dessein, en fait. Il dit, il a voulu par lui réconcilier avec lui-même, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. C'est ce que nous avons lu, hein, dans le livre des Éphésiens. Donc, nous l'avons lu, vous souvenez encore? Donc, ce qui est sur la terre, dans les cieux. Il dit ici, il a voulu réconcilier par lui-même, donc tant ce qui est dans les cieux, et tant ce qui est sur la terre, et aussi dans les cieux. C'est-à-dire qu'il a voulu rassembler, que tout soit ramené, effectivement, dans cette personne, en réalité. Et c'est cela que vous pouvez remarquer que l'apôtre Paul, il disait, c'est lui que nous annonçons. Qui est-ce que nous annonçons? Colossiens, au chapitre 1, verset 28, il dit, verset 28, mais c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme. C'est pour ça, frères et sœurs, que ces hommes avaient vraiment raison de parler de Christ notre Seigneur. Parce que c'est au travers de lui que Dieu accomplit effectivement son dessein à lui. C'est pour ça qu'il dit, mais c'est lui, c'est que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il dit, mais c'est lui que donc que nous annonçons, que nous exhortant tout homme, insultant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait donc en Christ.
Nous remarquons vraiment effectivement que Dieu dit qu'il a voulu tout réconcilier par lui-même, même dans Éphésiens 6 là. C'est là que nous comprenons effectivement aussi quand le Seigneur voulait partir, lorsqu'il voulait s'en aller, dans Jean chapitre 17. Il a dit des paroles qui sont tellement profondes et vraiment vraies. Il dit, j'ai fait ce que tu m'as demandé de pouvoir faire. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils ont cru, ils ont reconnu, je suis sorti de toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, maintenant je prie, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Personne, je prie. Il est très bien, je vais le relire avec vous, pour que vous puissiez voir. Jean 17, effectivement. Il dit, je crois que c'est Jean 17, après 18, c'est cela. Jean 17, voilà. Jean 17, verset 17, nous l'avons cité, effectivement. Verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Maintenant, verset 21 dit, afin que tout soit un. Donc, c'est l'objectif de Dieu, en fait. Que vous comprenez qu'en réalité, que Dieu a voulu réunir toutes choses en Christ. C'est pour ça que vous remarquez tellement très bien qu'on nous dit que l'Ancien Testament, c'est vraiment l'ombre du Nouveau Testament et la réalité. Même ce qui était dans l'Ancien Testament, tout cela se trouve en Christ. Oui, monsieur, oui, madame, parce que tout est sanctifié. Par quoi? Tout est sanctifié par quoi? C'est pour ça que vous ne suivez pas très bien. C'est important, tout est sanctifié par la vérité. Il a dit, sanctifiez-les par. C'est écrit, hein, Jean, vous avez votre Bible, non? Jean 17 qui a dit, mais sanctifiez-les par ta. Bon, alors, la Bible nous fait savoir, dans Jean au chapitre 1, à partir du verset 13 et 14, il dit quoi? La loi est venue par. La vérité est venue par qui? Vous comprenez cela? Nous pouvons le lire avec vous, hein, Jean chapitre 1, que vous puissiez comprendre et saisir cela. Donc Jean au chapitre 1, je pense, et c'est cela, Jean 1, voilà. Jean chapitre 1, voilà. Il nous dit ici, voilà, verset 17, je pense, je vais prendre la même Bible que vous, parce que parfois dans la mienne, la version elle est différente. Écrit un peu différemment. Voilà. Jean 17, voilà. Pardon. Oh non, Jean 1, pardon. Jean chapitre 1. Et nous voici, verset donc 17. Ils se sont cela, oui, verset 17. Ah oui, nous voici. Donc, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Et puis, le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est. Voilà pourquoi ce qui était dit dans l'Ancien Testament. Quand Pierre était sur le toit. Vous vous souvenez? Ah ben oui, monsieur. Pierre était sur le toit. Et c'était des choses qui étaient interdites dans l'Ancien Testament. On vous a dit que l'Ancien Testament, effectivement, c'était l'ombre du Nouveau Testament. La réalité est en Christ. Donc, sur le toit, effectivement, on dit, mais tu es mangé. Mais non, ça c'est interdit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ce que moi je considère comme pur. Ne regarde pas comme souillé. Parce que tout ce qui était l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Maintenant, la chose réelle, effectivement, est arrivée. C'est-à-dire que la plénitude de la parole, et Dieu a accompli ce qu'il voulait, effectivement. Alors le programme a changé. C'est pourquoi on dit, mais les mystères cachés de tout temps. Et dans tous les âges, oui monsieur, personne ne veut les savoir. Mais là, c'est pour ça que même lorsque Pierre est, il fallait qu'il voit ça qu'il est rentré, lorsqu'il est sorti effectivement de chez Corneille, les frères lui disent, mais c'est pas possible Pierre, tu as brisé l'écriture, tu ne devais pas rentrer chez les non-croyants, chez les non-juifs effectivement, tu as brisé l'écriture. Il dit non, comment voulez-vous moi que je fasse autrement? Je suis allé là-bas, j'ai prêché, et puis le Seigneur leur a donné à ces païens le même Saint-Esprit que nous les juifs. Pourrais-je, moi, refuser l'eau du baptême?
À ceux qui ont reçu le même Saint-Esprit qu'à nous. J'étais dans vous-même, je les ai baptisés. Amen. Ah, le programme avait changé. C'était le plan, les desseins, frères et sœurs. Parfois nous entendons, parfois nous nous réjouissons, mais parfois nous ne saisissons pas très bien. Parce que ce que Dieu cherche de travers de nous, c'est pas qu'on devienne des experts en la parole, des experts en ceci. Non, Dieu n'a pas des experts, besoin des experts, non. Dieu, il a son expert, il est là, il a celui qu'il voulait avoir. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, mon frère et ma soeur? Parce que souvent, c'est dit, on va faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Prenons l'exemple de ce que nous entendons, ce qui est démasqué. Il dit, mais c'est celui que nous annonçons, vous en êtes dans le livre des Éphésiens, je pense là, non? Que nous prêchons, nous vous prêchons cela. Et le but, c'est quoi? Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait par ses propres efforts, par ses propres moyens, par ses capacités à jeûner, à prier, à s'accrocher, à ceci, à cela. Non, monsieur. Parce que si c'était par vos capacités à vous, ce qui était dans l'Ancien Testament, là, tout ce qu'il avait, effectivement, avec tout ce qu'il faisait, là, effectivement, ils seraient déjà entrés au ciel. Parce qu'ils ont fait plus que vous et moi. Il s'est gardé, il s'est protégé, effectivement, tout ça dans les sacrifices qu'on ne voit pas. Donc, il est porté, il faisait tout ce que Dieu, lavage des mains, ceci et cela. Donc, il les faisait. Mais ils ne sont pas entrés au ciel. Et même dans on a dit que dans les déserts, ils ont bu à ces rochers qui les suivaient. Toutes ces choses que toi et moi n'avons pas touchées. Ils ont mangé les pains qui descendent du ciel, vous connaissez cela. Mais les chrétiens ont dit finalement qu'ils sont tous morts. Il y a un objectif que Dieu a acheté. Parce que de tous les temps, quand il a regardé, frère, et tous les autres, tous ceux qui ont prié, il n'a trouvé personne. C'est ça que nous devons comprendre. C'est vrai que nous entendons, Dieu se révèle à nous, il nous a parlé, effectivement, nous nous réjouissons. Est-ce que nous comprenons, effectivement, ce que réellement Dieu veut de nous? Ah, alléluia, gloire à Dieu, nous sommes l'épouse, nous allons nous envoler. Vous allez vous envoler où? L'épouse, ce n'est pas une étiquette que vous avez. Tout le monde se croit l'épouse, c'est ça le problème. Tout le monde s'identifie, je suis l'épouse, effectivement. La question, on va savoir d'abord, pour que tu sois l'épouse en question dont tu prétends être, pardonnez-moi pour le temps, je vais m'arrêter comme l'épouse dont tu prétends être, en fait. Tu le deviens comme ça. Dieu a un dessein quand même. Comment toi tu peux être appelé l'épouse de Christ? C'est qu'avant même que le monde soit, Dieu avait un dessein. C'est au travers de ce dessein, effectivement, que Dieu l'a manifesté maintenant. Mais par quoi? Par tes efforts? Non, messieurs. Par le point principal. L'apôtre Paul l'a dit. Oh frère, c'est parce que nous connaissons, nous avons entendu, mais vous ne l'entendez pas tellement très bien. Il a dit. J'annonce pleinement la parole de Dieu, mystère caché de tout temps. De tous les âges, il écrit bien, dans tous les âges cachés. Mais révélé maintenant, c'est quoi ce mystère en question? On attend, et qui sont les anges qui sont inondés? Non. Christ en vous. Christ en vous. Pourquoi est-ce qu'il insiste? Il dit, mais c'est lui que nous annonçons, donc c'est lui que nous annonçons, parce que. C'est le dessein des dieux, mon frère et ma sœur. Celui donc que nous annonçons, effectivement, fait que nous présentons à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Maintenant, voyez-vous la manière dont Dieu nous amène à ce que nous puissions arriver à pouvoir atteindre la perfection. Peu importe ce que tu peux faire comme effort. C'est pour ça que nous l'entendions, je le disais, vous savez, même pour venir à l'Assemblée, quand vous venez avec des motifs qui ne sont pas bien, ça ne sert à rien. Amen.
Yeah. Nous devons savoir. Nous ne sommes pas comme des églises ou des rassemblements, frères et sœurs. On doit comprendre que Dieu nous a mis à part parce que Dieu veut que nous soyons un peuple. Donc ce peuple était d'être un peuple qui est différent. Mais regardez bien. En fait, ce que les saintes écritures nous disent, ce que nous puissions comprendre, c'est que Dieu veut effectivement. Qu'est-ce que Dieu cherche? Quand on parle pendant de l'épouse, vous vous dites, je suis l'épouse, gloire à Dieu, je vais partir en enlèvement. Avez-vous lu dans les livres d'Apocalypse chapitre 12? Vous avez déjà lu cela? Vous avez lu? Amen. Je vais lire avec vous. Chapitre 12 d'Apocalypse. Regardez. Il nous dit ici, verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant sept têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Mais n'a prêté attention. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter. La femme, c'est l'église, non? Vous suivez? Le dragon s'éteint donc devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aurait enfanté. Vous entendez cela? Maintenant, nous lisons. Elle enfanta une fille qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. C'est écrit quoi? Bon, alors, dites-moi, quand on parle d'une épouse, c'est masculin ou féminin? Une épouse, c'est féminin. Oui, c'est féminin, ça a toujours été féminin. Ève est féminin. Adam est masculin. Est-ce que vous suivez? Maintenant, ici on nous parle d'un fils. Ça veut dire quoi? Parce que là, je crois qu'on doit se poser la question. Elle enfanta un fils. Et puis on nous dit ici, et il enfanta donc un fils, donc il enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut donc enlevé vers Dieu et vers son trône. Quand on parle d'enlèvement, l'enlever, c'est l'enlèvement, non? Bien sûr. Mais là, on nous parle d'un fils et non pas d'une femme. Parce que l'Église, l'épouse, c'est une femme. Alors nous attendons l'enlèvement. Mais là, on nous fait part que c'est un fils qui doit donc être enlevé. Alors va-t-on m'expliquer ça? Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pour ça qu'il ne faut pas vous laisser dans des pensées. Ah, je suis l'épouse, je m'en vais. Non, tu dois connaître les desseins de Dieu. Tu dois connaître le plan de Dieu, le programme de Dieu. Comment Dieu fait? Qu'est-ce qu'il veut? De quelle manière il veut qu'on fasse les choses pour que nous puissions réellement être dans la position dans laquelle lui veut. Nous jouons trop en saisissant. Nous sommes sereins dans le temps. Parce que la parole que vous entendez ici, ça sera votre jugement, la barre de jugement. Parce que vous n'aurez pas dit, Seigneur, nous n'avons pas entendu. Nous n'avons pas vu tes dessins, tu nous as montré, nous n'avons pas vu tout cela, effectivement. Oui, nous étions là, on écoutait, et puis on partait en disant qu'on connaissait. Quand on nous a entendu, mais vous n'entendez, vous n'entendez pas bien, vous ne faites pas très attention. C'est devenu une habitude. Mais il faut comprendre que. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Ben, un fils n'est pas une épouse. C'est une épouse, c'est féminin. C'est pas masculin. Ici, on nous parle d'un fils. Maintenant, vous comprenez quand cet homme ici nous parle effectivement dans les scènes de tout homme devenu parfait en Christ. Parfait en Christ. Parce que ce que Dieu cherche, mon frère et ma soeur, ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Non. Vous vous trompez. Non, vous vous trompez, frère. Vous pouvez gêner, même du 1er janvier au 31 décembre, vous ne serez jamais agréable à Dieu.
Les catholiques et les protestants, ils font encore plus que vous parce que les catholiques se ferment dans les monastères. Ils prient du matin jusqu'au soir. Ils vont-ils aller au ciel? Jamais. Parce qu'ils n'ont pas compris les desseins de Dieu. C'est pour ça que ce jour-là, il s'est tenu là sur la montagne, il a regardé la vie, il a pleuré. Jérusalem, Jérusalem, c'est toi aujourd'hui. Tu reconnaissais le jour de ta visitation. Puisque tu n'as pas reconnu, alors les choses terribles là t'arriveront. C'est pour ça qu'on les a tranchés les pays. C'est pour ça qu'ils ont bouilli les enfants dans les casseroles. Frère, vous pensez que Dieu peut faire cela avec Israël et ne pas le faire avec vous? D'ailleurs, on l'appelle le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas votre Dieu. Vous pensez parce que quand vous faites, Dieu ne fait rien de là, ah c'est bon. Non, frère, ne jouons pas avec les choses de Dieu. C'est bien de chanter, c'est bien de danser, mais ce n'est pas les danses qui vont te faire rentrer au ciel. C'est pas ta présence. Non, monsieur, c'est important pour toi, parce que tu vas le regretter. Tu te plais à pouvoir sortir pour être en train de... Mais quand tu vas t'en aller d'ici, tu vas pleurer. Ceux qui sont partis, qui n'ont pas été en ordre avec Dieu, sont en train de pouvoir gémir là-bas. Oui, monsieur, c'est la vérité, ce que vous entendez ici. Parce qu'un jour, n'oubliez pas, nous partirons. Même avant l'enlèvement. Mais si tu pars avant l'enlèvement, tu vas attendre où? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Il faut que tu comprennes qui tu es. Et quand tu passes par une situation, tu dois comprendre qu'est-ce que ton Dieu à toi attend de toi. C'est pour ça qu'un chrétien, même l'épreuve est dure, vous ne le verrez jamais découragé. Ça, ce sont de vrais soldats. Vous ne le verrez jamais murmurer. Vous ne le verrez jamais laisser plaindre auprès de quelqu'un. Jamais. Cet homme va souffrir parce qu'il sait que, comme il a dit, comme Ézéchias a dit, mais voici mes souffrances sont même devenues mon salut. Est-ce que tu peux dire cela? Quand ça commence à travailler, quand tu commences à pouvoir, ah, je ne sais même pas, est-ce que Dieu m'écoute encore? Et frère, moi, tu vois mon frère, moi, j'ai fait Dieu, mais ça ne va pas toujours. Non. Non, 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 non. Que ça aille bien, que ça aille mal, les chrétiens est toujours. J'aime bien que si nos sœurs et si nos frères peuvent nous chanter ces cantiques-là, nous avons besoin de terminer. Nos cantiques-là qu'ils ont chanté, l'épreuve aura son terme. Nous avons chanté non. Dans toutes ces difficultés, les chrétiens, ils restent. Les chrétiens n'est pas un plaintif. Ça, c'est un vrai fils de Dieu, parce qu'il connaît le plan de son Père. Il a appris. Oh, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, effectivement, et il dit, mais j'achève mes souffrances dans ma chair. Nous aimons les plaisirs, nous aimons les moments doux, effectivement, mais lui, il dit, mais mes souffrances sont devenues même mon salut à moi. Vous voyez, frères et sœurs, vous ne pouvez pas simplement être là, vous allez dire, gloire à Dieu, nous sommes au chaud et puis on va aller au ciel. Ce n'est pas possible. Nous partons au ciel avec des épreuves, des larmes, que c'est des combats. Nous sommes dans un combat. Pas dans une fête, non, monsieur, dans un combat. Avec des larmes, même avec des fouets, je pleure, je dis, Seigneur, que ton nom soit béni. C'est une grâce pour moi de souffrir pour toi. Bien sûr, non seulement de croire en toi, mais de souffrir aussi pour toi. Qui accepterait qu'on parle du mal? Qui accepterait qu'on puisse décrire? Parce que si on parle du mal de toi, gloire à Dieu. C'est écrit. Et c'est écrit, je pense, dans, je vais prier avec vous, dans un livre de Jean, je pense, quelque part comme ça. Ou Pierre, je ne sais plus très bien. Oh, que Dieu nous aide. Je pense bien que c'est bon. Ah, on va peut-être le trouver quelque part, mais si je ne le trouve pas comme... Ah, c'est peut-être dans les jambes, je vais peut-être voir, peut-être si on peut le trouver encore, parce que vous savez, la date est quelque part là. Oups. Oui, c'est écrit quelque part, mais je ne trouve pas que...
Si vous êtes au trajet, si vous êtes ailleurs, quand vous parlez, effectivement, ça veut dire que l'Esprit du Seigneur est sur vous. Je crois que vous connaissez l'Écriture, mais bon. Pardon ? Pardon ? Ah, ce n'est pas par là, mon précieux frère. Je pense que c'est... Et ce n'est pas de ce côté-là, dans Matthieu 5. Merci beaucoup, mon bien-aimé. Moi, c'est dans l'autre Écriture. Là, merci beaucoup, je sais ce que j'ai dit. Et... c'est peut-être à voir sous mes yeux, mais je le lirai peut-être pendant que notre frère. Mais vous connaissez quand même cette écriture large, élevée. J'ai déjà aussi cité ici. Peut-être que je l'ai sous les yeux, que je l'ai lu, et puis je me suis dit. Mais c'est quoi que c'est dans Jean, quelque part comme ceci, mais bon. Bon, vous connaissez quand même l'Écriture aussi, cela nous l'avons, ça ne va pas le lire ce soir, mais vous savez, voilà qu'il dit effectivement que c'est lui qui souffre, et faut donc souffrir effectivement pour la cause de l'Évangile, mais qu'il ne se plaigne pas, mais qu'il glorifie le Seigneur effectivement pour la part de souffrance que vous avez effectivement à cela. Mais bon, ben, bref, je crois que je trouverai, c'est bizarre parce que je pense que je voyais dans l'autre Bible, qu'il en avait de Dieu, on reconnaissait ceci à l'Esprit de Dieu. Il parle même de la fournaise dans laquelle vous vous trouvez. Vous vous souvenez, non? Peut-être que je suis en train de regarder dans Pierre, dans Jean, alors que je ne sais pas dans Jean, mais c'est peut-être une écriture d'autre. Ça pourrait être autre chose. Si quelqu'un le trouve, effectivement, il pourra me donner et puis nous le lirons ensemble. Donc, nous disons, et cela, on va quand même le trouver plus tard. Alors, ça veut dire que quand on souffre, effectivement, en tant que croyant, en réalité, et que, bon, on dit même beaucoup de choses qui sont pas conformes à votre endroit pour les... Il dit, bénissez les Seigneurs parce que l'Esprit du Seigneur repose sur vous. Donc, ce qui veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître quel est le projet et les plans de notre Père, ce que Dieu attend effectivement de nous, comme nous le disions, je termine par là, avec Apocalypse chapitre 12, effectivement, c'est parce que vous n'avez pas bien saisi en réalité, quand on parle du fils mâle, parce qu'on devait voir effectivement dire qu'effectivement que c'est une fille monte, mais en fait, on a dit, votre attention, puis nous allons prier ensemble. Le Fils qui est enlevé. C'est cela ce que l'apôtre Paul nous disait, effectivement. Il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Celui qui est céleste n'est pas féminin. Il est masculin. C'est que celui qui va monter, nous l'avons vu avec vous, vous n'avez pas fait attention. Là, le corps, ce n'est pas le corps d'une femme, c'est le corps de Christ. Christ était un homme. La tête de Christ, eh bien, c'est Christ qui sera enlevé. C'est ça le fils mâle. C'est ça la parole qui pénètre au-dedans de vous pour vous changer afin de devenir ce fils. Donc, c'est Jésus-là. Lève-nous, nous allons prier. Attends mon grand, pendant que tu conduis là, je vais regarder comme tu l'as dit. Justement, je suis encore vérifié comme tu l'as dit, hein, mon grand, que tu es venu. Ça va, c'est quoi, 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 merci. Mais c'est cela, mon grand, que Dieu te bénisse. Et il m'a donné 1 Pierre chapitre 4, le verset 12. Merci beaucoup, que Dieu. Ah, il dit. 1 Pierre 4, verset, que Dieu te bénisse. Mes bien-aimés ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de la preuve. Je crois que je dois lire dans l'autre version. Hein. Qu'est-ce qui vient ici? Dans cette version-là. Merci beaucoup. Ah oui. L'écriture, je lis, et puis le chorale chante. Il chante, oui. Merci beaucoup, mon grand. Que Dieu te bénisse richement. 1 Corinthiens. Oui, c'est ça. C'était toujours un problème. C'était la position. Merci beaucoup. Merci. Verset 12, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous. Pourquoi? Pour vous éprouver. Vous voyez cela? Parce que nous, on comprend. Alors, continuons, il dit, réjouissez-vous donc au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux.
parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse.